I just saw a TikTok about, I guess, this new thing. I mean, maybe it's not new. I think it's been going on forever, but there's a name to it now. It's called Passport Bros. So, from my understanding, it's basically men that are leaving the United States to travel to foreign countries to meet women that are quote unquote more feminine and more like catering to men because women here in the United States aren't that. And there's an outrage, like women are mad. Some women are mad. But what I want to say is good. That's good. People should do what they want to do, right? If you want to find somebody from another country because you think it's going to fit your situation better, great. But let's call it what it is, please. You're still going to provide for a woman, right? But the standards are a little lower over there because most of the women come from poverty, right? Which is, hey, you know what? I get it. It's cool. They got to do what they got to do. But this is an arrangement. You know that, right? Like, they're looking at these men like, okay, that's my meal ticket, right? I guess if you know it's a mutual respect, but it's not love for most of the time. I'm sure there are some that like you end up caring for each other, right? But you're doing the same thing you would do here. You just can't find somebody at your caliber here, maybe. So you have to go away. I try to think of it the opposite. Like, let's say I was I don't even know if they have that passport girls, right? If I went to go find a guy from another country that was submissive to me and did everything I wanted, I would know in the back of my head he's here because, not because he wants to be, because he has to be out of needs, you know? But how would that sit with me? So I guess my question to you, men, is, do you think these men are just okay with knowing they're being used? Donc Géraldine, tu fais bien de me poser la question. T'as bien fait de poser la question. J'ai envie de te dire, comme dirait Gérard, t'as frappé à la bonne porte. Déjà, ça montre que tu veux savoir, tu t'intéresses. Donc déjà, c'est un bon point. À moins que t'as voulu faire un petit peu d'humour. Hein, genre, comme s'il n'y avait aucune réponse à ça. On est des teubés, en fait. Les hommes, ils sont des teubés. Ils savent qu'ils sont en train de se faire utiliser et ils savent pas. Donc déjà, alors commençons par le début. La narrative de « Oui, les femmes qui sont dans les pays pauvres. Les pauvres, elles ont pas de vêtements, elles marchent pieds nus, et elles mangent des cailloux et elles attendent un sauveur d'un pays, un gars qui peut venir d'un pays occident et qui va enfin pouvoir la sortir et la ramener dans son pays. Ça, c'est en fait ça. Tous les gens qui pensent comme ça, et j'en ai vu beaucoup sur les réseaux parler comme ça, font juste preuve d'ignorance. Et je ne dis même pas ça pour être méchant ou pas, c'est le mot. Et non, les femmes, elles sont pas dans les pays pauvres en train d'attendre un gars de l'Occident pour pouvoir changer de vie. Ça se passe très bien, elles ont des vêtements, elles mangent, elles sont heureuses. Je ne comprends pas d'où vient ce fantasme. Mais le fait de vouloir rabaisser les femmes de ces pays-là est juste petit. Alors oui, c'est vrai qu'il y a sûrement des femmes qui sont intéressées pour pouvoir quitter leur pays et avoir peut-être une meilleure vie dans un autre pays. Mais d'une part, ce n'est pas toutes les filles qui veulent ça, parce que j'en ai parlé avec plusieurs, quel que soit le pays, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Colombie, que ce soit au Brésil. Il y a plein de filles qui disent non, moi je veux rester dans mon pays. Et en plus, les gens qui disent ça, ils oublient que dans les pays même, il y a des gens qui ont de l'argent. Il n'y a pas que des pauvres, hein. C'est pas tout le monde n'est pas pauvre, hein. Il y a plein de gens qui ont de l'argent dans chaque pays. À chaque fois, il y a des gens qui sont... en Thaïlande, il y a plein de gens qui sont riches. En Colombie, il y a plein de gens qui sont riches. Enfin, j'ai pas... C'est du basique, ça. Et deuxièmement, les meufs qui veulent peut-être changer de pays ou changer de vie, etc., c'est avec un gars qu'elles ont choisi et qu'elles veulent le... avec lequel elles veulent avoir une réelle relation. C'est pas genre tu vas là-bas et genre tu peux prendre n'importe quelle femme et tu reviens avec elle, hein. Ça, si, c'est un fantasme, les gars. Les meufs, elles ont les mêmes standards que dans les autres pays, hein. Que ce soit un pays pauvre ou pas. Ne pense pas que tu vas aller en Colombie là et que tu vas prendre une bonasse et que tu vas la ramener dans ton pays ni vu ni connu. Juste parce que elle veut changer de pays. Non, si jamais tu lui plais, ouais, il n'y a pas de souci. Elle ira là où son gars il est, tout simplement.
Donc ça, c'était juste pour revenir sur la narrative de « Ouais, les femmes, elles attendent un sauveur, elles sont dans la galère, c'est dur, elles attendent un gars de l'Occident pour pouvoir les sortir. » Non, non. Et moi, je te répète pas des choses que j'ai entendues dans, sur les réseaux ou je sais pas, ou sur TF1. Non, je te dis des choses que j'ai vues, que je vois, j'ai posé des questions. La culture, je me suis intéressé à chaque fois à la culture dans chaque pays où je vais. Et non, ça se passe très bien. D'ailleurs, il y a plein de couples qui se font, par exemple en Thaïlande, je l'ai vu beaucoup en Thaïlande, où des gens, ils sont sur place, il y a des couples qui ont des enfants, ils sont là depuis longtemps, et enfin, ça se passe très bien. Donc elles ont les mêmes demandes, sauf que bah, de base, elles sont féminines. Et là, ça m'emmène sur le deuxième point qu'elle a dit. Quand elle a dit, oui, si une femme, en gros, elle est soumise à son mari, ça veut dire qu'en gros, elle le fait parce que, comme si elle n'a pas le choix, c'est une obligation. Donc déjà, le fait que tu associes le fait d'être féminine, d'être soumise à son mari comme une obligation, montre déjà dans la perdance dans laquelle tu es. Donc non, les femmes ne se sentent pas obligées d'être féminines. En fait, c'est là où tu vois que ce genre de femmes, elles parlent que entre féministes. Elles parlent que entre elles. Et après, elles se disent, attends, ben oui, c'est logique, les gars, ils se font user. Les gars, ils se rendent même pas compte. Les gars se font user, etc. Aucune femme voudra s'occuper de son gars, être soumise à son mari, être féminine. Aucune meuf veut ça aujourd'hui, en 2023 quand même. C'est là que tu vois qu'elles sont perdues. Parce que les filles, pour qu'ils pensent encore comme ça, sachent que dans les pays comme ça pauvres, même le gars moyen, sa femme, elle est féminine. Ce n'est pas seulement pour les gars qui viennent de l'Occident et là deviennent féminines. Hein, le féminin sous condition que les femmes de l'Occident aiment bien faire. C'est juste que de base, elles sont féminines. Pour elles, c'est normal de s'occuper de leur gars. Et même si c'est un gars moyen, il n'a pas besoin d'être un high-value man, c'est un gars moyen, elle est féminine. Ça se passe très bien. Elle travaille aussi. Ouais, ça, j'ai oublié de le dire. Ouais, elle travaille, hein, les filles. Ouais. Elle travaille, les filles, là-bas. Enfin, dans les autres pays. Hein. Il n'y a pas que vous qui travaillez. Et pourtant, elles s'occupent quand même de leur gars. Donc, c'est simple pour répondre à ta question, Géraldine. Parce que tu disais, ouais, il faut que les gars ils prennent conscience que c'est un deal et que si jamais elles font ça, c'est juste parce qu'en fait, elles veulent s'en sortir. Si tu veux parler en mode genre, les relations, c'est un deal. Toutes les relations sont des deals. Que ce soit à l'Occident, que ce soit dans un autre pays. Toutes les relations, c'est un deal. Je suis avec toi parce que je me sens bien. Parce que tu es comme j'aimerais que tu sois. Parce que tu me fais me sentir bien. Voilà. Et bien toi, c'est pareil. Tu es avec moi parce que voilà, peut-être que tu es fier de ce que j'ai accompli. Je te fais rire, tu es bien. Dans tous les cas, tu es bien. C'est un échange. Si je suis avec toi, c'est parce que je me sens bien. Et toi, si tu es avec moi, c'est parce que je te fais te sentir bien. Donc aujourd'hui, le marché du célibat, il est mondial. Il n'est pas mondial seulement pour vous les filles, il est aussi mondial pour les hommes. Donc ça veut dire qu'il y a la compétition. Donc les hommes vont aller là où ils se sont appréciés. C'est aussi simple que ça. C'est juste que dans ton arrogance, Géraldine, ne le prends pas mal. De toute façon, tu ne comprends pas le français, donc tu ne vas pas voir la vidéo. C'est juste que dans ton arrogance, tu ne t'es même pas rendu compte ou tu ne t'es même pas posé la question, ça ne t'a même pas effleuré l'esprit dans toute ta réflexion, là, ton monologue, que tout simplement les femmes des autres pays font leur job mieux que vous. C'est aussi simple que ça. Je laisse à réflexion. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer à la NAC. Regarde quand même. Et mon groupe des 10%, le groupe où je te montre comment créer ton business en ligne, être indépendant financièrement, savoir investir et tout. Bref, ça s'appelle Zion. Tu cliques sur le lien, il y a toutes les infos. Ok, donc si tu veux quitter le métro boulot dodo et pouvoir voyager et faire comme les gars qui utilisent, parce que oui, le marché des dating est global, mais encore il faut pouvoir avoir la capacité de voyager d'une part, payer le billet et de pouvoir avoir le temps. Hein, et ça, pour ça, il faut créer son business en ligne. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.